Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un raccordement d'un moteur à démarrage direct. Précédemment, je vous ai fait un tutoriel sur l'auto-maintien. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Pour ce tutoriel, je vous invite encore une fois de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre le système. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes pour certaines personnes. C'est une vidéo qui va être très rapide car l'ensemble des éléments que je vais mentionner, nous les avons déjà vus dans les autres vidéos, sauf un ou deux éléments. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer rapidement le but de la vidéo. Sur mon installation, je veux installer un moteur triphasé. Avec ce moteur, je veux voir quand il est en fonctionnement en me signalant par un voyant marche moteur. Je veux utiliser des boutons poussoirs pour arrêter et faire fonctionner le moteur. Ensuite, en cas de défaut thermique ou défaut magnétique, je veux que toute mon installation se coupe, même la partie télécommande. Et aussi m'avertir par un billet de voyant rouge défaut que mon moteur est arrêté suite à un défaut. Enfin, m'avertir également par un voyant blanc que le disjoncteur moteur a été baissé manuellement pour une maintenance par exemple. Avant de commencer, une petite présentation des matériels. En haut, j'ai une coupure d'urgence et un petit répartiteur pour alimenter mes disjoncteurs. Ensuite, ici, j'ai le disjoncteur magnétothermique que j'ai nommé DM1 qui va servir pour protéger le moteur. Pour ce tuto, je ne vais pas me consacrer sur le disjoncteur moteur. Plus tard, je vous ferai un tutoriel complet sur le choix d'un disjoncteur moteur comme je l'ai fait sur le choix d'un contacteur moteur. Sur ce disjoncteur moteur, j'ai mis deux contacts additifs que nous verrons par la suite au schéma. Après, j'ai le contacteur que j'ai nommé KM1 avec un contact auxiliaire. Ensuite, j'ai le moteur M1 qui est ici, que je vais câbler en étoile en bobinage simple. Pour la télécommande, j'ai mon disjoncteur Q1 qui est ici, qui protégera le transformateur. Après, j'ai mon transfo qui est en 400 volts alternatif en primaire et 24-48 volts alternatif en secondaire. Pour ce tutoriel, je vais utiliser le secondaire de transfo en 24 volts alternatif. J'ai mon disjoncteur Q2 qui est en secondaire transformateur, qui lui servira pour protéger ma partie télécommande. Comme vous le constatez, ma partie télécommande est en très basse tension. Après, j'ai un petit répartiteur en monophasé que j'ai nommé RP, qui servira à répartir ma phase et mon neutre de la partie télécommande. Je continue. Ici, j'ai mon bouton poussoir S1 qui a pour fonction d'arrêter le moteur. Ensuite, le bouton poussoir S2 qui servira à mettre en route le moteur. Là, j'ai mon voyant H1 qui indiquera que le moteur est en fonctionnement. Le voyant H2 qui signalera en cas de défaut moteur. Et enfin, j'ai mon voyant blanc H3 qui indiquera la position du disjoncteur moteur, c'est-à-dire disjoncteur moteur A1 égale voyant éteint. Disjoncteur moteur à 0 égale voyant allumé. Cet état du voyant, j'aurais pu faire le contraire. Vu que j'ai déjà mon voyant vert qui indique le fonctionnement du moteur, je trouve intéressant de mettre un voyant blanc en plus pour la position off du disjoncteur moteur. Nous verrons par la suite pourquoi. Comme d'habitude, ici, je vous ai fait un petit schéma de câblage en adéquation avec ce que je vous ai dit précédemment. Comme vous le voyez, ce schéma est à peu près identique avec le schéma de la vidéo précédente qui se nomme auto-maintien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. La vidéo est dans la playlist qui se nomme contacteur, rupteur, tout ce qu'il faut savoir. Donc, si on fait parler un peu ce schéma avant de faire le câblage. Petit conseil pour les bricoleurs. Si vous voulez faire ce genre de choses, ne vous aventurez surtout pas sans avoir fait un schéma électrique. Je continue. Comme vous le voyez, ici, j'ai ma partie puissance et ici, j'ai ma partie commande. Si je fais fonctionner ce schéma, tous mes disjoncteurs levés, j'appuie sur le bouton S2 pour faire fonctionner mon moteur M1. Si mon moteur est en fonctionnement, mon voyant vert qui est marche moteur s'allume. Pourquoi? Vu que la bobine du contacteur KM1 est actionnée, le contact 53-54, normalement ouvert qui est ici, devient passant et alimente mon voyant vert. Maintenant, je vais arrêter mon moteur. Pour arrêter le moteur, je vais directement appuyer sur le bouton S1. Petite information, cette partie de l'auto-maintien, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller dans la playlist qui se nomme contacteur rupteur. Je continue. Maintenant, pour la sécurité. Je veux intervenir sur mon moteur. Je mets à off mon disjoncteur moteur. Je le cadenasse. Cela implique que ma partie télécommande qui est ici n'est plus opérationnelle. Pourquoi? Ici, comme vous le voyez, j'ai un contact de position de mon disjoncteur moteur. Mon disjoncteur moteur à on, mon contact se ferme.
et alimente ma partie télécommande qui permet d'actionner la bobine du contacteur. Mon disjoncteur moteur à off, je ne peux faire aucune action sur mes boutons poussoirs S1 et S2. Ok ? J'espère que vous avez bien compris le principe. J'aurais pu mettre un contact de défaut de disjoncteur moteur à la place. Le problème avec un contact de défaut d'un disjoncteur moteur, c'est que si je baisse manuellement le disjoncteur moteur, le contact de défaut sera toujours passant. Donc, je peux quand même piloter mon contacteur. Bien sûr, le moteur ne sera pas alimenté vu que le disjoncteur moteur est coupé. Mais bon, je trouve que la solution de mettre un contact de position est plus adéquate. Je vous expliquerai par la suite et nous verrons également au test. Comme je l'ai dit, si mon disjoncteur moteur est à off, je ne peux plus intervenir sur ma partie télécommande pour piloter le contacteur, ce qui signifie que mon voyant vert H1 s'éteint. Par contre, mon voyant blanc H3 s'allume pour m'avertir que le disjoncteur moteur est à off. Pourquoi ? Maintenant, vous commencez à être un expert. Vous voyez qu'ici, j'ai un contact de position 21-22, normalement fermé du disjoncteur moteur DM1. Sa fonction est le contraire du contact 13-14, c'est-à-dire si le disjoncteur moteur est à off, ce contact de position du DM1 devient passant. Et c'est pour cette raison que le voyant H3 s'allume. Maintenant, j'ai fini ce que j'ai à faire sur le moteur M1. Je mets en service pour faire le test. Je lève mon disjoncteur moteur. Mon voyant blanc H3 s'éteint. J'appuie sur le bouton poussoir S2 pour mettre en route le moteur. Mon voyant vert s'allume pour m'indiquer que le moteur est en fonctionnement. À présent, mon moteur commence à présenter un problème, un défaut thermique par exemple. Mon disjoncteur moteur DM1 détecte le défaut, il se déclenche. Si mon disjoncteur moteur se déclenche, mon contact 13-14 qui est ici s'ouvre, mon voyant vert H1 s'éteint, mon voyant blanc H3 s'allume et en plus, j'ai aussi mon voyant de défaut moteur H2 qui s'allume. Pourquoi ? Ici, comme vous le voyez, j'ai un contact auxiliaire synthèse défaut du disjoncteur moteur DM1 que j'ai mis ici. Ce contact a pour rôle, en cas de défaut moteur, il se ferme et devient passant. Notez bien en cas de défaut. Si je baisse manuellement mon disjoncteur moteur, pour lui, ce n'est pas un défaut. Il ne va pas changer d'état. Ok ? J'espère que vous avez bien compris le principe. Je pense que je vous ferai un petit tutoriel dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, je vais passer au câblage. Avant de passer au câblage, comme vous le savez, faire tous ces tutoriels me prend beaucoup de temps et d'investissement. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur « Merci » juste en bas du titre de la vidéo. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Comme d'habitude, je vais commencer par la partie puissance. Bien sûr, je ne vais pas vous le répéter, avant toute intervention, il faut toujours se mettre en sécurité. En premier temps, j'alimente mon disjoncteur DM1 et mon disjoncteur Q1 qui protège mon transfo, c'est-à-dire disjoncteur D1 et disjoncteur Q1 à partir du répartiteur qui est ici. Je commence par la phase 3 qui est en gris, ensuite la phase 2 qui est en rouge et la phase 1 qui est en noir. Pour l'alimentation de mon disjoncteur Q1, je suis aussi en 400 volts, donc je vais utiliser la phase 1 et la phase 2. De mon disjoncteur moteur, j'alimente mon contacteur. Maintenant, de mon contacteur, j'alimente mon moteur. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre des bornes entre le contacteur et le moteur. Pour le câblage des moteurs, il faut faire très attention selon dont vous avez besoin. Dans mon cas qui est ici, ce sera en vitesse simple, avec une tension de 400 volts, câblage étoile. Je vais ouvrir le capot du moteur pour qu'on regarde un peu ensemble. Je vais juste balayer rapidement. Je pense que plus tard, je vous ferai aussi un tuto sur des différents types de câblage d'un moteur. Ici, comme vous le constatez, vous avez 6 fils qui viennent du bobinage du moteur. On voit que certaines bornes sont reliées entre elles grâce à des barrettes de pontage. En un coup d'œil, je vois que ce branchement est en triangle. Pourquoi ? Ici, je constate que la borne U1 est reliée avec W2, V1 avec U2, W1 avec V2. Pour faire le branchement en étoile, il faut que je relie les bornes
W2, U2, V2 ensemble. Ce qui signifie qu'il faut que je dévisse les barrettes de pontage pour faire la liaison. Et l'alimentation qui sort de mon contacteur KM1, je l'amène pour la phase 1 sur U1, pour la phase 2 sur V1 et pour la phase 3 sur W1. Ensuite, ici, vous avez ces deux fils avec des dominos. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est pour des thermistances, des résistances de réchauffage ou des sondes PT100. Confirmez-moi en commentaire pour les experts en moteur. Comme vous le constatez, la vis de fixation pour ma terre est abîmée. Donc, je vais me mettre ici directement. Maintenant, je vais attaquer la partie télécommande. Mon disjoncteur Q1 est alimenté directement à partir de mon répartiteur, comme mon disjoncteur DM1. À la sortie de mon disjoncteur Q1, j'alimente mon transformateur en primaire. La phase 1, je l'amène sur 0 et la phase 2, je l'amène sur 400, vu qu'ici, mon arrivée est en 400 volts. Pour le secondaire transfo, comme je l'ai dit précédemment, ma partie commande sera en 24 volts. Donc, quand je regarde ce schéma de mon transfo, je constate que pour avoir du 24 volts en secondaire, il faut que je me réfère à ce schéma du haut. Ce qui implique que mon 0 qui est ici, je fais un pont avec cette connexion-là. Et mon 24 qui est ici, il faut que je ponte avec cette connexion ici. Pour mon cas, j'ai mis la connexion 0 à la terre. À la sortie 24 de mon transformateur, j'alimente directement mon disjoncteur Q2. À la sortie de mon disjoncteur Q2, le neutre, je l'amène directement sur mon répartiteur ainsi que la phase. La phase, je l'amène sur la barrette du bas. Et le neutre, je l'amène sur la barrette du haut. Ensuite, de mon répartiteur, pour la phase, je vais l'amener sur la connexion 13 du contact additif de mon disjoncteur moteur, c'est-à-dire la connexion 13. Toujours la phase, je vais l'amener aussi sur le 53 du contact auxiliaire de KM1. Je vais amener aussi une phase sur la connexion 27 du contact synthèse défaut du disjoncteur moteur. Sur le contact synthèse défaut, le 27. Et enfin, toujours la phase, je l'amène sur 21 du contact de position du disjoncteur moteur. Je viens de dispatcher la phase. Maintenant, je vais faire la même chose pour le 0 volt, c'est-à-dire le neutre. De mon répartiteur, à chaque fois, j'amène le neutre sur A2 de la bobine du contacteur KM1, sur X2 de mon voyant vert, sur X2 de mon voyant rouge, et enfin sur X2 de mon voyant blanc qui se nomme H3. Maintenant, je vais attaquer cette partie de ma commande. À la sortie 14 du contact du disjoncteur moteur DM1, je vais sur la connexion 1 du bouton poussoir S1. Pour cette partie, je ne vais pas rentrer dans les explications car j'ai déjà fait un tutoriel sur l'automaintien. Le lien sera à la fin de cette vidéo. À la sortie du bouton poussoir S1, je sors avec deux fils. Un, je l'amène sur la connexion 3 de S2 qui est ici. Et le deuxième fil, je l'amène sur la connexion 13 de KM1. À la sortie S2 et du 14 du KM1, je vais sur A1 du KM1 pour alimenter la bobine du contacteur. Maintenant, pour le voyant marche moteur.
À la sortie 54 du contact auxiliaire du contacteur, je vais sur X1 du voyant H1. Pour le voyant défaut moteur, à la sortie 28 du contact synthèse défaut du disjoncteur moteur DM1, je vais sur X1 du voyant H2. Maintenant, pour finir le câblage, pour le voyant H3, position de l'état du disjoncteur moteur, à la sortie 22 du contact de position de DM1, je vais sur X1 du voyant H3. Je vais mettre au propre et on va passer au test. Maintenant, je vais passer au test. Mon disjoncteur de coupure d'urgence levé, ainsi tous mes disjoncteurs. Je vais mettre en route mon moteur. J'appuie sur le bouton S2. Vous constatez que le moteur fonctionne. En même temps, mon voyant vert marche moteur est allumé. Maintenant, je vais faire une maintenance sur mon moteur. J'arrête le moteur en appuyant sur mon bouton poussoir S1. Mon moteur s'arrête et mon voyant marche moteur s'éteint. Je mets à zéro mon disjoncteur moteur. Vous constatez que le voyant blanc est allumé pour me dire que le disjoncteur moteur est à off. Et si j'appuie sur S2 pour enclencher mon moteur, celui-ci ne donne aucune action car mon contact 13-14 de mon disjoncteur moteur qui est ici est ouvert du fait que j'ai mis à zéro mon disjoncteur moteur DM1. Je mets le cadenas pour condamner mon disjoncteur moteur. Je fais mon intervention sur le moteur. À présent que je viens de finir mon intervention, j'enlève mon cadenas. Je mets à 1 mon disjoncteur moteur. Mon voyant H3 n'est plus allumé. Je mets en route mon moteur. Mon voyant marche moteur s'allume. Tout va bien. Quelque temps après, mon moteur présente un défaut thermique. Mon disjoncteur se déclenche, mon voyant rouge H2 s'allume en m'indiquant qu'il y a un défaut sur le moteur, mon voyant vert s'éteint et mon voyant blanc s'est allumé pour m'informer que le disjoncteur moteur est à zéro. Je remets en fonctionnement normal. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai comment mettre en service cette installation et les étapes à suivre. C'est une vidéo qui sera aussi très utile pour éviter d'endommager les équipements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.